à CHNC. C'est la vie le matin. C'est la vie le matin. Jusqu'à midi. Ah, quel plaisir de retrouver notre nouvelle collaboratrice à l'émission ce matin. Elle est sexologue, conférencière, auteure, chroniqueuse. Vous l'avez déjà vu certainement. Vous connaissez bien Sophia Lessard qui est au bout du fil avec nous. Ben, Sophia, je te souhaite la bienvenue à l'émission La Vie le matin. Merci, Myriam. On va avoir beaucoup de plaisir ensemble, certainement, au cours des prochains mois, étant donné qu'on aura l'occasion de se parler, entre autres, de sexualité à tous les mois. Puis on va faire plaisir aussi à travers tout ça aux familles, aux parents, parce qu'on va aborder donc la sexualité, tout ce qui a trait à la jeune enfance, à l'enfance, à l'adolescence, bref, à la sexualité peut-être de la famille en général. Oui, exactement. C'est un sujet où c'est une spécialité que j'ai, les livres que j'ai écrits actuellement, en tout cas, ceux qui sont en marche seront aussi pour les adultes, mais c'est vraiment un créneau qui me tient à cœur. On n'en parle pas beaucoup et pourtant, nos croyances, nos valeurs se mettent en place durant la petite enfance en particulier. Donc, c'est important de regarder ce qui se passe puis ce qu'on transfère là aux enfants aussi. J'en profite peut-être pour parler de vos livres, justement, puisque, vous êtes auteur du livre « J'explore » et aussi pour « L'amour des enfants »,« La découverte de la sexualité et ses mystères », et puis qui est aussi traduit en anglais, et du CD d'hypnose « Des chemins différents ». Alors vraiment, on aborde plusieurs sujets dans tous ces livres-là, mais on y revient ce matin, particulièrement à la sexualité chez les enfants. Puis la question première qu'on se pose, à partir de quel âge est-ce qu'on commence à parler sexualité avec les enfants? Mais à cette question, Myriam, je réponds lorsqu'ils portent encore des couches. Hey! Alors, oui, j'aime bien surprendre parce que on communique de toute façon. Souvent, les gens n'ont pas l'impression de communiquer, mais un enfant fait pipi. Bon, prenons, admettons, une petite fille de 4 ans qui fait pipi debout. OK, oui. Votre façon de réagir, votre façon d'intervenir communique. Donc, on n'a pas besoin de parler de prévention des ITS, des infections transmises sexuellement, pour communiquer. On communique lorsqu'on rougit, on communique lorsqu'on change la couche de l'enfant, du petit poupon qui est en érection, puis qu'on est complètement mal à l'aise devant cette érection-là, parce qu'on l'associe à notre présence par manque de connaissance. Ouais, ouais, ouais. Donc, la communication se fait, je dis toujours, à partir du moment où, dès la naissance, on communique à l'enfant. OK. Et là, on a ces communications-là. Bon, on fait un peu d'éducation à travers tout ça. On parlait donc de la petite fille là, qui fait pipi debout et tout ça. On tente d'expliquer du mieux qu'on peut. Pas toujours évident non plus. On a d'ailleurs justement toujours cette petite gêne par rapport à ça. Mais si on doit aborder vraiment la sexualité, est-ce qu'il y a un moment où on doit s'asseoir, ouvrir les livres et dire, bon, mon enfant, à partir d'aujourd'hui, on va aborder ce sujet-là plus en détail? Je vais revenir sur cette petite gêne que vous mentionnez, Myriam. Mm-hmm. Souvent, dans les conférences, je dis aux parents, pourquoi on est si gêné devant la sexualité? Bon, évidemment, on a tout notre passé, nos croyances, ce qui nous a été enseigné, cette culture judéo-chrétienne qu'on traîne aussi beaucoup, mm-hmm. qui viennent teinter nos interventions. Mais je voudrais, pour vous aider là-dedans, chers parents, essayez de vous imaginer l'enfant dans une situation qui n'est pas sexualisée. Par exemple, des fois, les éducatrices travaillent beaucoup avec les éducatrices en petite enfance. L'enfant va déranger l'autre enfant pendant que... Là, je vais aborder un sujet qu'on abordera peut-être au fil du temps, là, mais qui se caresse durant la sieste. Okay. Alors là, je vais dire aux éducatrices, si l'enfant arrosait un autre enfant durant la sieste, je les amène toujours vers des comportements non sexuels. Okay. Parce que l'intervention devient simple. Le fait qu'on l'associe à une connotation sexologique complexifie notre intervention, alors que c'est des interventions avec les enfants, c'est très simple. Mmh. Donc, à partir de quel âge est-ce qu'on doit ouvrir des livres? C'est certain que vers l'âge de 4-5 ans, 3 ans, les enfants
ont des questions, questionnent plus, ont des, par exemple, si vous preniez le bain avec les enfants, ça aussi, on pourra en reparler. Oui. Ben, on jouait dans les bulles, on jouait avec le bateau, etc. Tout d'un coup, vous devenez le centre d'attraction, vous devenez l'intérêt principal de l'enfant. Oui. Ça démontre qu'il est curieux, et c'est souvent, là, 3, 4, 5 ans, là, l'enfant se rend compte que, oups, on est sexué. Les hommes et les femmes sont différents, et là, il faut ouvrir les livres. Mais Hey, il m'en vient des questions, on va avoir du fun. Oui, c'est ça, j'ouvre plusieurs portes dans ma discussion, je suis consciente. Mais je dis toujours, une réponse, c'est pas plus que 3 phrases. OK. Essayez de, évidemment, allez-y à 5 si vous voulez, mais ce que ça veut dire... C'est pas le temps, lorsqu'il y a une petite question, de répondre à un enfant pendant 15 minutes. C'est vraiment, premièrement, premier truc, retourner la question à l'enfant. Comment on fait les bébés, par exemple? Comment est-ce que tu penses qu'on fait les bébés? Bon, voilà. Okay. Parce que ça, c'est un truc de conférencière, mais c'est un excellent truc comme parent parce que ça me situe dans la compréhension de mon enfant. Il est rendu où? Est-ce qu'il me dit, ben je pense que on mange, les amoureux, ils mangent une pomme, ils avalent le pépin, puis là, le bébé, bon là, ben peut-être que la réponse sera, ben non, tu vois, on fait des bébés, mais il faut 2 amoureux adultes, puis ça prend pas de pomme. Peut-être que ce sera ça. Il va revenir avec une question. On va le suivre. Et c'est sûr que plus que ces questions sont présentes, ben là, ce sera le temps. C'est pour ça que j'explore. C'est un livre très clé en main, très intervention auprès de l'enfant. Tu sais, un chapitre, qu'est-ce que vous devez savoir rapidement sur ce sujet-là? Voici ce que vous pouvez présenter comme activité à faire avec l'enfant. Ah, mon Dieu, on va en avoir de l'information, là, je sens. Et encore là, ben je le répète, mais il m'est venu à peu près... pas loin d'une 30aine de questions là au cours des dernières minutes. Je crois qu'on va avoir beaucoup de plaisir à y répondre au cours de la saison. Ben c'est déjà plus clair. Seulement le fait de se dire, il ne faut pas que les réponses à ces questions là soient compliquées et que ça dure 15 minutes. Déjà on dirait que ça oriente un petit peu plus les réponses là. Oui, puis ça crée le lien avec l'enfant. L'enfant comprend que vous êtes une personne de référence. Vous êtes une personne à qui il peut poser des questions. Puis, vous pouvez aussi être complètement rouge, mal à l'aise, pas savoir quoi répondre et être en harmonie là-dedans. Dire, sais-tu quoi, ta question me surprend, elle est parfaite, mais je vais aller un peu m'informer puis je te reviens. Mais revenez, par exemple. Oui, c'est ça. Alors, l'important, c'est d'être congruent avec notre message non-verbal. C'est-à-dire, si vous êtes rouge comme une tomate, faites pas comme si ça vous dérangeait pas, la question. Soyez transparent. On a le droit d'être gêné. On a le droit de dire à notre enfant, sais-tu, maman, des fois, est gênée dans ce sujet-là, mais c'est tellement important, je te reviens là-dessus. Ah, c'est bon. Parce que c'est là, en petit enfant, je voudrais à partir de 2 ans, de 2, 3, 4 ans, là, qu'on établit la communication qui va être nécessaire à l'adolescence. Pour qu'ils nous reviennent lorsqu'ils ont des questions aussi. Oui, parce que c'est pas à l'adolescence qu'on crée ce lien à la communication. On peut toujours travailler pour essayer d'ouvrir des portes, là, c'est jamais trop tard. Là. Mais le fait que l'enfant sache que papa et maman sont des personnes sur qui vont pas me gronder, qui vont pas commencer à me faire le discours officiel de la sexualité, tu sais, à chaque fois qu'ils me surprennent, à chaque fois qu'il est question de la sexualité, ben ça fait qu'ils vont revenir aussi. Quand ils vont en avoir plus besoin, disons. C'est très éclairant tout ça. Merci, Sophia Lessard. Ça me fait plaisir, Myriam Custeau. J'ai vraiment hâte à la suite. J'ai des milliers de questions en tête. Bon, on va se reparler le mois prochain. Donc, on va demander aux gens d'aller faire un tour sur sophialessard.com, qui est un site Internet où on peut en apprendre, faire le tour de votre carrière. Et puis, il y a des conférences également que vous pouvez donner parce que vous vous promenez un petit peu partout au Québec, en Ontario. Vous offrez de la formation aux différents professionnels là qui travaillent avec les enfants. Puis, il y a des conférences publiques aussi qui peuvent être disponibles pour les parents. Alors, on invite tout le monde à visiter aussi la page Facebook CHNC où on a mis le lien vers toutes les informations. Et puis, nous, on se reparle le mois prochain. Merci.
Oui, ça me fait plaisir. On a déjà planifié les titres et les sujets, mais je suis toujours flexible à savoir les intérêts de nos auditeurs. Donc, s'il y a des intérêts particuliers, manifestez-vous, ça va nous faire plaisir. Ah oui, on a bien hâte d'en savoir davantage. Ben, sinon, peut-être vous dire que la prochaine fois qu'on va se reparler, le mois prochain, on va probablement aborder le fameux complexe d'Œdipe. Oui, ça c'est pas simple, hein? Merci Sophia Lessard, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.